Et hop, première étape pour jouer avec Replay Mode, enfin utiliser Replay Mode le mode, ça vous empêchera pas de jouer, c'est plus pour faire des vidéos, des cinématiques. Eh bien, il fallait le chercher. Donc, tout simplement, un petit Google, Replay Mode, Craft Your Moment, et vous vous retrouvez sur le site officiel donc de Replay Mode, un mode de Minecraft pour enregistrer, revivre et partager votre expérience de jeu. C'est hyper beau. Merci à Crush Pixel et Johnny0702 pour ce mode qui, depuis quelques temps déjà, hein, ça fait au moins 2-3 ans que je l'utilise, bah depuis le début quasiment, nous permet de faire des cinématiques hein, de grands noms de la planète YouTube. Minecraft l'utilise aussi. Alors, anglophone comme francophone, c'est vraiment très pratique pour faire des replays, pour faire des cinématiques et puis vous proposer des vidéos un petit peu plus qualitatives. Un petit coucou d'ailleurs, un petit clin d'œil à le Jeff des Gentlemen of Craft qui a fait des replays très très forts sur sa série Piglin Story. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il a fait, y compris aussi sur une vidéo récente qu'il a mise sur YouTube pour présenter un jeu qu'on a fait en collectif. Voilà, ce sera de très bons exemples de ce que vous pouvez faire avec Replay Mode. Évidemment, je l'utilise aussi moins qu'avant, mais toujours avec autant de plaisir. Et puis, bah, ça fait plus de 2 ans que Atlif me tanne pour avoir ce tuto. Donc, c'est parti. Donc, comment ça marche? Bah, tout simplement, eh bien, download now. Vous allez sur la partie télécharger. Donc, c'est un mode qui fonctionne sur Fabric. Il y a une version Sodium, mais bon, là, on va parler de la version Fabric. Je vous invite d'ailleurs à bouger la souris sur l'écran là pour voir le petit en haut à droite qui va vous renvoyer vers ma vidéo sur comment installer Fabric et donc y coller ensuite le mode. Donc, c'est très très simple. Hein. Vous allez faire télécharger. Donc, vous faites download, ça fait ça. Ça fait ça et ça vous demande où vous voulez le mettre. Donc, bah moi, je vais le mettre à un endroit bien précis. Je vais d'abord le mettre, je vais le mettre, je vais le mettre dans mes téléchargements, tout simplement. Voilà, Minecraft, c'est mieux. Et voilà, je dois avoir un dossier mode d'ailleurs. Hop, voilà. Donc, je télécharge mon petit replay mode qui doit déjà être là d'ailleurs. Ah bah, vous voyez, j'ai une vieille version là dans ce dossier-là. Eh bien, je fais enregistrer. Voilà. Une fois que j'ai fait ça. Plouf, il est téléchargé ici en bas à gauche. Je peux faire afficher dans le dossier. Hop, alors là vous ne voyez pas, c'est sur mon autre écran. Je vais basculer la fenêtre. L'idée c'est tout simplement de le copier-coller et de le mettre à l'endroit où vous mettez vos mods dans Minecraft. Donc le dossier là que j'indique dans l'autre vidéo sur comment installer Fabric. Donc moi c'est 1.18 Fabric. Là j'ai mes mods ici. Et donc c'est ici que je vais coller mon replay mode. Donc 1.18.226.4, je crois que je suis pas mal. C'est bien celui-là. C'est bien celui-là. Ok, donc je le copie-colle hop ici. Et une fois qu'il est là, je peux lancer le jeu tout simplement. Mais, il y a un mais. Ça ne suffit pas. Effectivement, il manque quelque chose qui est très bien expliqué d'ailleurs dans l'help de Replay Mode, mais in English. Donc voilà, on va vous détailler ça un petit peu en français. C'est qu'il y a un prérequis pour, non pas pour faire fonctionner Replay Mode, là ce qu'on vient de vous montrer, ça suffit, vous démarrez le jeu, vous avez Replay Mode et c'est parti. Le problème, c'est que vous pourrez faire des montages, vous pourrez faire vos replays, les créer, etc. Mais vous ne pourrez pas les transformer en vidéo. Faire un rendu, ça s'appelle, on crée une vidéo à partir de nos créations Replay Mode. Pour cela, vous devez avoir installé FFmpeg, ici, vous voyez. Donc, ils vous expliquent tout, comment le faire. Moi, je vous montre, c'est encore plus simple d'ailleurs que ce qu'ils expliquent, je crois. Avant, c'était assez tordu, hein. C'était vraiment compliqué. Donc, c'est un site internet. Je vais vous copier-coller l'adresse. Ce sera plus simple ici. Voilà, tout là-haut. Donc, c'est par gyan.dev, FFmpeg build. On arrive sur une page un petit peu tordue. Mais en fait, c'est relativement simple. Donc là, vous vous occupez pas de tous ces trucs-là. Vous voulez les release build, vous. Vous allez sur release build. Release, ça veut dire les distributions qui sont mises en production, c'est-à-dire prêt pour le public, en gros. Et donc, latest release version 5.0. Donc, vous allez récupérer le release essentiel ou le full, comme vous voulez. Peu importe. Moi, c'est la essentielle, je crois que j'ai mis de mémoire. Oui, c'est ça. C'est la essentielle.zip. Une fois que vous le récupérez, donc pareil, vous faites clic, hop. Là, vous allez le télécharger, bah, pourquoi pas dans vos modes, hein, puisqu'après tout, c'est le même endroit. Donc là, vous voyez, je l'avais déjà dans ce dossier-là, d'ailleurs. Donc je fais enregistrer. Hop. À nouveau, une fois qu'il est téléchargé, ça prend un petit peu plus de temps. Je vais pouvoir aller le copier-coller au bon endroit. Et c'est là que c'est très important. Donc c'est au même endroit, hein, c'est dans votre dossier de game. Sauf qu'il faut faire il faut l'extraire ici. C'est-à-dire que moi, je l'avais copié-collé ici. Et ensuite, j'ai fait un clic droit extraire ici.
Et j'ai renommé le dossier que je ne vois pas d'ailleurs. Ah non, pardon, je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise. Ce n'est pas du tout là. Ne faites pas ça. Ne le mettez pas là. Là, du coup, il va falloir que vous fassiez pourcentage app data pourcentage pour aller dans votre roaming ici. Et donc, dans votre roaming, vous allez trouver Minecraft. Là, dans Minecraft, vous allez mettre le dossier que vous avez extrait, pas le zip directement, hein, vous extrayez le zip, là, le FFmpeg, vous faites extraire, vous allez le mettre ici, il s'appellera donc FFmpeg, MPEG 5.0, vous devez absolument le renommer FFmpeg, j'arrive à le dire, pour que son contenu soit accessible, tout ça vous y touchez pas, mais il faut qu'il y ait ce dossier-là, à la racine de votre point Minecraft dans roaming, voilà, évidemment, ce sera votre nom à vous en haut à gauche, et pas le mien. Voilà, une fois que vous avez fait ça, là vous êtes paré, il n'y a rien de plus à faire et vous allez pouvoir aller in-game. Et donc on va se retrouver in-game pour la suite des opérations et donc voir un petit peu à quoi ressemble tout ce petit monde replay mode. Je vous retrouve tout de suite. Et nous voilà in-game pour voir comment fonctionne réellement replay mode une fois qu'il est installé dans votre dossier avec le dossier FFmpeg au bon endroit dans votre dossier .minecraft. Donc, du coup, on se retrouve avec le menu standard. Si vous avez mode menu d'afficher, d'installer, vous avez ce bouton qui s'affiche. Donc, dans les modes, hop, que j'ai sur mon PC, je retrouve effectivement Replay Mode Client, avec ici comment le configurer. Voilà, avec différentes options. J'ai aussi accès à ces options-là, hop, en passant par ici, Visionneuse de Replay. Là, vous avez donc tous vos replays enregistrés. On va revoir après comment ça marche. Là, vous avez donc les paramètres à nouveau et c'est ici que vous allez pouvoir gérer des choses qui peuvent être désagréables ou utiles. Par exemple, moi je suis un peu tête en l'air et je ne vais pas penser à enregistrer à chaque fois. Donc on peut déclencher manuellement l'enregistrement d'une partie. Mais j'ai préféré laisser l'automatic recording sur Wii, ce qui fait que du coup j'ai pas à réfléchir. Il enregistre aussi bien les serveurs que les parties solo. Ça charge un peu mon disque dur, donc il faut que de temps en temps j'aille vérifier à l'endroit où ça s'installe. Et faire du ménage dans les ou directement ici supprimer par exemple là je pourrais en supprimer pas mal hein, je sélectionne et je fais supprimer pouf voilà on n'en parle plus là j'ai supprimé en fait tous ceux qui étaient antérieurs au mois de mars il n'y a pas très longtemps bientôt je ferai pareil pour le mois d'avril voilà donc ça c'est la première le premier réglage à faire et aussi un truc qui est un peu pénible en fait c'est l'indicateur d'enregistrement qui va vous faire un gros enregistrement en cours en haut à gauche de votre écran qui est un peu pénible, et donc moi je le mets sur non, parce que, bon, voilà, comme j'enregistre tout le temps, je sais très bien que ça enregistre tout le temps. Ça pourrait être utile, par contre, si vous mettez l'automatic recording sur no, sur non. Donc, attention à ça. Voilà, tout le reste, j'ai laissé par défaut. D'ailleurs, je me dis que non, je devrais enlever le chat, parce que j'ai pas forcément besoin qu'on voit le chat pendant une partie. J'avais pas fait gaffe à cette option, j'en profite, je la décoche. Voilà, une fois que vous avez réglé vos petits paramètres, et eh bien voilà votre visionneuse de replay. Vous allez pouvoir retrouver ici toutes les parties que vous avez en mode replay, avec lesquelles on va donc pouvoir faire des petites séquences vidéo, des cinématiques, des montages, etc. Donc c'est la suite de ce tuto. Juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche ici. Si par exemple, là, vous voyez, j'ai passé 2h14 à jouer sur le serveur Roll Shaddict. J'ai record un épisode tout simplement et puis après j'ai continué à jouer parce qu'il y avait pas mal de rangements à faire et de petits progrès à faire. Bref, je veux faire un replay de cette partie-là. Et bien tout simplement, pour pas le perdre, je vais le renommer, ce qui va me permettre de... Alors déjà je peux laisser la date et l'heure, pourquoi pas. Je peux au moins laisser la date. Et là je peux mettre record épisode lundi par exemple. Voilà. Et je fais renommer. Et pouf, j'ai mon truc. Ça me permet de mieux ranger, parce que si vous avez que la date, et ben il va vous falloir une mémoire d'éléphant. Pareil, de temps en temps, vous vous connectez rapidement sur une partie pour vérifier un truc, vous pouvez aller les supprimer, tout simplement, les trucs qui font 2 minutes, là, ça sert strictement à rien. Voilà, voilà. Donc là, j'en ai pas d'autres, c'est bon. Donc, vous voyez, on peut renommer, supprimer, et on peut même éditer. C'est-à-dire que vous pouvez éditer ce replay, voilà, on va les appeler comme ça, et insérer des splits, des cuts et des uncuts. Donc vous pouvez couper en fait une partie de votre replay pour pas garder tout. Voilà, je l'utilise jamais, donc je vais pas détailler. On va rester dans les bases. Le basique de chez basique. Voilà, une fois que vous avez fait tout ce que vous vouliez, eh bien vous pouvez retourner à vos petites affaires. Ou si vous êtes parti comme nous pour faire du coup un montage, vous sélectionnez un de vos replays. Donc par exemple, j'avais fait un tuto replay mode.
et je peux faire charger. Et du coup, quand vous faites charger, vous allez vous retrouver dans un monde Minecraft, mais sous replay mode. Donc ça refait votre partie, comme si vous voulez un petit retour vers le futur, quoi, en gros. Et on va pouvoir faire du petit montage avec. Donc voilà, donc vous vous rappelez bien, je reviens en arrière, que du coup, hop, l'enregistrement se règle ici. Hein, hop, petit onglet là, je reviens. Visionneuse de replay, paramètres, options. Là, vous réglez tout. Ensuite, une fois que vous voulez charger un replay pour le travailler, visionneuse de replay, je cherche le replay que je veux travailler, celui-ci par exemple, et là, je fais charger. Ah! Donc là, apparemment, j'ai changé un mode entre-temps, le mode Falling Leaves, et je risque d'avoir des erreurs ou des crashs. Donc, on va annuler, on va pas prendre de risque. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une petite vingtaine de minutes, je vais aller sur une partie, faire un record, un replay exprès, une petite partie de 20 minutes pour vous montrer un petit peu quelque chose de concret et qui soit compatible avec les modes que j'ai actuellement. Donc à noter, du coup, ça m'était jamais arrivé que quand vous changez de mode, et ben les replays chargés, réalisés, enregistrés avec d'anciens modes pourraient crasher avec les nouveaux modes. Donc pensez à traiter vos replays assez rapidement parce que pour moi, pour le coup, ça veut dire que tout cela, depuis. Donc il est où le replay? Tuto replay. Où est-ce qu'il est? Je le vois plus. Je le vois plus. Je le vois plus. Il m'a supprimé du coup. Ah bah c'est pas mal ça. Mais en gros, je pense que tout ça, je peux supprimer. Ils ne servent plus à rien parce que je les ai fait avec avant de passer en 1.18.2. Et donc avec les anciens modes. Pas de chance, c'est pas grave, il n'y avait rien d'essentiel là-dedans. Le dragon peut-être. Hein, je vais peut-être regretter pour le dragon. Tant pis, c'est comme ça. Allez, on se retrouve dès que j'ai un replay exploitable. Et puis on prend la suite, c'est-à-dire comment on va charger, visionner et traiter notre replay. A tout de suite. Alors juste pour vous montrer, du coup je suis revenu à la base Holchadict avec sous l'auberge dans la salle des coffres. J'ai désactivé les shaders pour vous montrer aussi que pendant que vous faites une partie, ce n'est pas important de les avoir ou de pas les avoir, vous pouvez les mettre quand même dans votre replay après. Et j'ai aussi appuyé sur la touche, alors pour vous c'est la touche virgule, pour moi c'est la touche insert, j'ai modifié, qui m'a permis d'ajouter un marqueur d'événement. Donc là vous voyez j'ai enregistrement en cours, je me suis déplacé de par le Nether pour revenir ici. Et je veux me rappeler que c'est à cet endroit-là que je suis à la base, donc j'ai mis un marqueur d'événement. Il est 7h31, je vais essayer de tenir une journée entière pour qu'on ait un jour-nuit sympathique à montrer. Et donc pour moi l'idée là, c'est de se balader. Hop, tac, pour charger les chunks pour qu'ils figurent sur le replay mode. Donc le replay en fait va pas enregistrer votre monde dans sa totalité, il va enregistrer les chunks là où vous êtes. Donc en général, on passe en mode spectateur ou créatif suivant vos possibilités quand on veut faire une cinématique en tout cas. Et moi par exemple, là j'ai envie de faire une cinématique pour vous montrer un petit peu les réalisations magnifiques de mes camarades. Alors avec les shaders, ça claque un peu moins, mais ça claque quand même. Ça claque quand même pas mal du tout avec ce voyage en ballon, 5 semaines en ballon. N'est-ce pas? Le Nautilus qui est caché derrière. Alors moi ce que ça me permet de faire aussi, c'est de voir en mode spectateur, parce que c'est le mode dans lequel on est quand on est dans un replay, et bien de voir un peu les parcours de caméra que je pourrais faire. Là par exemple, je pourrais faire tout ce petit parcours comme ça. Voilà, tout simplement un petit, je sais pas comment on dit, en mode cinéma, un travelling circulaire pour faire tout le tour, montrer un petit peu toute la base. Là, en vous parlant, j'imagine aussi que là, je suis peut-être un peu trop haut et je pourrais faire une intro assez sympa en partant d'ici. Donc, vous voyez, les chunks se chargeant, j'ai intérêt à me déplacer dans cette direction pour que Ripley puisse les choper. Et pourquoi pas, voilà, le matin, là, il y a un petit bateau. Et par exemple, là, on pourrait partir d'ici. Voilà, comme ça, on prépare notre cinématique. Là, vous voyez, on ne voit pas encore l'auberge, mais on distingue le bateau juste derrière. Pourquoi pas faire un petit mouvement de caméra comme ça, là. Hop, voilà. Et puis gentiment se rapprocher, distinguer d'un seul coup là l'auberge qui se dessine avec le bateau, l'entrepôt derrière, le ballon qui apparaît au fur et à mesure. Et puis pouf, faire un petit tourner ici, voilà, comme si on était un bateau qui arrivait en fait sur l'auberge. On pourrait même se mettre au ras de l'eau avec ce saumon qui frétille, passer par là. Et là, se dire, waouh, il y a quelque chose derrière, passer sous le ponton, enfin le truc,
et découvrir le Nautilus. Et là, hop, faire un mouvement de caméra en montant comme ça. Vous pouvez faire ça avec Replay Mode et terminer du coup beaucoup plus haut sur une vue d'ensemble tout en tournant comme ça. Voilà, on pourrait faire un truc dans ce goût-là. On pourrait et on va peut-être. Mais pour ça, eh bien, il faut se retrouver dans Replay Mode. Donc je laisse défiler le jeu pendant une journée Minecraft entière. Et on se retrouve, on va charger ce replay pour ensuite voir ce qu'on peut en faire. Là, ce n'était qu'une simulation pour vous montrer. On peut faire aussi des mouvements très rapides comme ça. On peut tout imaginer. On peut aussi faire des plans fixes. C'est-à-dire que là, par exemple, on peut très bien filmer de vue du haut. Et faire une séquence, voilà, comme ça, où on va descendre. Ouais, on peut tout imaginer en fait. Il faut vraiment vous mettre dans la place d'un caméraman réalisateur. Vous pouvez tout faire et vous pouvez même, comme vous êtes en mode spectateur, paf, rentrer dans le Nautilus, traverser le Nautilus et aller au fond du monde. Et oui, et là vous pouvez du coup découvrir tout ce qu'on a en sous-sol. Pour les Hulk Addicts, en dessous, tiens, je ne savais même pas qu'on avait un spawner ici qu'on n'a pas exploité du coup. Un spawner à squelette en plus. On en a encore un de plus, punaise. Il est où celui-là? Ah ouais, c'est quand ils ont fait les galeries de minage. Ok. Ok, ok. Donc là, on a encore un spawner à squelette qu'on pourrait encore aménager. On en a assez pour chaque joueur, en fait. On est à... C'est notre troisième spawner à squelette. Donc, impressionnant. Bah, ça permet aussi, du coup, si vous montrez de la redstone, de voir la mécanique mise en place par Dowin dans mes vidéos. Hein. Voilà, ce tuto n'est qu'une vidéo parmi tous ceux de ma chaîne. Et donc là, on voit la mécanique qui nous fait un ascenseur qui s'allume au fur et à mesure qu'on monte dans les bulles. Voilà, c'est assez sympa de faire profiter aussi de cette vue-là. Et là, vous avez notre minédrale, voilà, qui en fait est une cathédrale mine magnifique, réalisée par Jazz. Voilà, là aussi, on peut faire de belles cinématiques pour montrer de très 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 belles réalisations. Et normalement, si on remonte par ici, voilà, on pourrait faire ça aussi comme mouvement de caméra, dire on suit les bulles. Quand on suit les bulles, hop, on va se retrouver. On est passé à côté d'un spawner à squelette aménagé d'ailleurs. Hop. Et là, paf, on se retrouve à l'air libre. On fait un mouvement de caméra. Et on se rend compte qu'on est bien sous l'auberge, dans le silo qui emmène à l'entrepôt où sont ramenés tous les trucs par les bulles que nous minons. Voilà, avec des silos qui indiquent si c'est plein ou pas. Allez, j'arrête de blablater sur ce préambule au tuto. On se retrouve tout de suite. Très bien, donc j'ai fait une petite partie de au moins 20 minutes pour avoir un replay digne de ce nom. J'ai fait du ménage dans mes replays, visionneuses de replays. Vous voyez, il n'y en a plus qu'un. Donc celui-là, on va le renommer. On va l'appeler, hop, tuto replay mode. Voilà, comme ça vous revoyez ce que je viens de vous montrer. Et on va tout simplement le charger. Voilà, hop, voilà, donc on voit, alors tout de suite quand vous arrivez sur un replay, il faut faire P, pardon, alors P pour vous, pause pour moi, mince, je trouve plus mon pause, où est-ce qu'il est mon pause, là, hop, j'ai bougé mon clavier, pourquoi faut faire pause, bah parce que par défaut, comment s'appelle, la lecture démarre, voilà, tout simplement. Donc vous voyez, mon curseur jaune a déjà avancé. Mais voilà, je rentre déjà dans l'explication. Donc réflexe, quand vous arrivez sur votre replay, vous faites P, comme ça vous bloquez le replay. Vous voyez que j'ai fait aussi, pour récupérer le curseur de la souris, j'ai fait quelque chose, puisque au début, quand on arrive, on est comme ça, en mode spectateur. Les mouvements se font de la même façon qu'en mode spectateur in-game. Hein. Donc là, je fais majuscule pour Shift majuscule pour descendre, espace pour monter, Q, S, D, Z, les classiques pour se mouvoir, et on est en spectateur, donc on passe à travers les murs. Et vous voyez, je suis bien sur un replay, puisque Holchaldir est en train de monter. Donc là, par exemple, on pourrait faire une séquence de vidéo où on le voit monter l'escalier. Pouf, une petite séquence. Et où, en fait, il va faire comme ça, il va monter, il va passer par là, hop, et il va aller prendre le Nether. Voilà, mais avant de parler de tout ça, T, pour récupérer le curseur de la souris, et vous montrer un petit peu les raccourcis qu'on a, l'interface, plutôt que les raccourcis dans un premier temps, qu'on a de façon rapide, on va développer ensuite tout au long de ce tuto. Voilà, donc là, vous avez une barre de lecture de votre replay. Ici, une barre qu'on va appeler de montage, on va dire, c'est, ouais,
C'est le chemin de caméra, en gros. Barre de relecture, chemin de caméra, mais moi j'appelle ça souvent barre de montage, donc vous m'excuserez pendant le replay, le tuto, de mélanger les deux. Et ici, vous avez trois petits traits qui vous permettent d'afficher un menu avec tous les raccourcis clavier que vous avez. Donc je ne sais pas s'il affiche bien, du coup, voilà. Moi, c'est pause, par exemple, pour mettre en pause, vous, ce sera P. Et pour ajouter un marqueur des vêtements, j'ai modifié, j'ai mis la touche insert qui me permet de mettre ce petit repère rouge qui est un marqueur d'événement, event marker in English. Voilà, donc là, du coup, vous avez tous les raccourcis clavier que vous pouvez configurer dans vos contrôles comme d'habitude dans Minecraft. Donc là, il faut ressortir de là et il faut retourner, modifier vos raccourcis clavier dans vos contrôles. Donc se déplacer dans le replay, je vous ai expliqué, c'est en mode spectateur. Hein. Hop, voilà, je remonte. Alors vous voyez, par contre, j'ai oublié de refermer le menu. C'est tout de suite moins joli. Hop, là, je fais échappe et hop, je repasse en mode mouvement. Voilà, je vais pouvoir du coup me déplacer dans ce truc. T, je reviens au curseur, ce qui va me permettre de me positionner à mon marqueur d'événement qui est le début de là où je veux éventuellement faire ma séquence, comme je vous expliquais quand je les record. Donc on clique dessus, ça prend un petit délai. Et plus vous allez aller loin dans la barre de lecture, plus c'est long. Il vous fait tous les sons qu'il y a eu entre temps, comme il y a eu un passage dans le Nether, etc. Et alors là, il y a un problème, c'est que du coup, bah, je suis pas au même endroit, donc du coup, là, les chunks sont déchargés, donc je me retrouve dans le vide. Là, il y a une petite astuce à connaître, c'est que vous faites T, vous allez là, et vous faites aperçu du joueur, ce qui vous permet du coup de voir selon l'aperçu de Hallshaldir. Vous cliquez dessus, et vous vous retrouvez à l'endroit où il est. Là, vous dites, ah oui, mais c'est bien, mais je suis en mode Hallshaldir, là, ça va pas le faire. Comment je fais pour sortir de ce truc-là? Eh bien, tout simplement, là, comme je suis coincé, hop, vous voyez, je dois attendre que Hallshaldir bouge, je ne peux plus bouger. Mes mouvements de caméra ne marchent plus. Je suis complètement coincé, donc je dois faire Shift comme pour s'accroupir. Hop, et là, je récupère le mode spectateur, tout simplement. Et vous voyez qu'Hallshaldir, au moment où j'ai mis le marqueur d'événement, bah, il était à la base des Hallshaddicts. Donc là, je vais ressortir, justement. Hop. Et la base des Hallshaddicts, c'est ça. Alors là, du coup, je n'active pas encore les shaders, parce que je vais juste faire mes mouvements de caméra. Et ce n'est qu'au moment du rendu que les shaders sont intéressants. Et le fait de préparer vos mouvements de caméra n'a pas d'influence en fait sur le fait que vous fassiez que vous ayez les shaders ou pas. Par contre, on ne voit pas les chemins de caméra avec les shaders, c'est un petit souci. Et donc, pour vous montrer, je préfère qu'on les ait. Donc c'est un petit peu lent des fois de se déplacer. Et vous voyez là, les chunks ne sont pas chargés. Donc là, je suis coincé, je ne pourrais pas afficher tout ce qu'il y a derrière moi. Mais c'est pas grave, moi je voulais juste afficher ce qu'il y a devant moi. Donc je voulais partir de là. Hop. Voilà, comme ça. Et je me mets là. Bref, donc là, on a vu comment se déplacer. Vous avez aussi, avant que j'oublie, des petits mouvements que j'utilise très peu, qui sont les mouvements, je sais pas comment on dit, de roulis de la caméra. C'est-à-dire que là, je suis bien en mode horizontal. Et vous voyez, je fais comme la vue quand vous êtes en in-game. Si, par exemple, pour une raison X ou Y, je voulais faire un effet de roulis, ça va se faire avec toutes les touches J, L et K. Donc J, je tourne par là. L, je tourne dans l'autre sens. Donc là, par exemple, je pourrais me mettre légèrement en biais avant d'avancer. Et K, je reviens en normal. Voilà. Ça peut vous servir dans une vidéo, sait-on jamais. Donc J, L pour les mouvements horaires et anti-horaires. J, le sens horaire. L, anti-horaire. Et K, vous remet dans l'axe. Voilà. Donc ça, c'est bon. Vous avez vu donc qu'en appuyant sur la touche B, je peux aller avoir la vue selon Hallshaldir. On était en multijoueur, il y aurait tous les joueurs ici hein, qui seraient présents. C'est très pratique bah, pour se retrouver à l'endroit où est le joueur en question. Et ça vous permet aussi de faire une vidéo, une cinématique vue du joueur. Comme si vous aviez fait en fait un time-lapse, mais de vous en train de jouer, tout simplement. Ou d'un joueur en train de jouer. Donc maintenant, comment on contrôle les barres? Donc la barre de relecture, c'est relativement simple. Là, vous avez un lecture pause. Là, vous pouvez jouer sur la vitesse. Ça, c'est très pratique parce que du coup, vous pouvez accélérer le défilement. Et là, vous pouvez bouger le curseur jaune à l'endroit que vous voulez dans votre replay. Donc là, c'est un replay qui dure 40 minutes. Et je peux aller à la 14e ou 15e minute en cliquant ici. Je ne vais pas le faire parce que je suis à l'endroit où je voulais. Voilà, donc ça, c'est la barre de relecture. À noter que quand vous mettez 8 ici et qu'on va utiliser ensuite la barre de chemin de caméra, eh bien il va ajuster le tir. C'est-à-dire que par exemple, comme on est en 8 fois, eh bien si je vais de cet événement à 2 minutes 46 plus 8
10 minutes 46, ici ça ne fera que donc 8 fois, ben, ça fera qu'une minute. Donc ça, le curseur sera ici. Voilà. On sera plus clair tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc voilà, ça c'est pour la barre de relecture, donc importance de choisir aussi la vitesse. Et donc plus vous allez faire des sauts dans le temps long aussi, et plus bah, ça prendra de temps à se charger. Donc patience et longueur de temps, comme on dit. Ensuite, la barre chemin de caméra. Donc pareil, elle a du temps. Donc là, c'est le temps que vous souhaitez que votre séquence finale dure. Vous pouvez dézoomer pour voir le maximum, c'est 30 minutes a priori. Vous pouvez rezoomer si vous voulez juste une séquence de 5 minutes, ça sert à rien d'être plus long que ça et vous verrez mieux vos curseurs. Là, vous avez le curseur jaune qui permet de se positionner dans la barre de chemin de caméra, là où on clique. Donc là, on se met à zéro. Ici, vous avez ce qu'on appelle les keyframes, donc les images clés de temps. Ici, les positions keyframes, les images clés de position. Ici, le bouton pour faire le rendu final, c'est-à-dire transformer votre séquence en vidéo. Et ici, un aperçu. Vous vous mettez là et vous faites lecture et ça va vous faire l'aperçu de tout ce qui, de tout ce que vous avez programmé. Si vous vous mettez là, ça partira de là. Voilà, ça c'est la barre de chemin de caméra. Relecture, chemin de caméra, voilà quelques boutons à connaître. Une fois que vous avez compris tout ça, passons aux images clés de temps. Donc là, par exemple, je suis au début de ma vidéo et je veux mettre une image clé à zéro. Du coup, ben, je clique dessus tout simplement. Et là, vous voyez, on voit un petit curseur image clé de temps qu'on peut resélectionner, ce qui fait qu'il est rouge ici. Si je fais supre, je l'enlève. Si je me mets, je reclique, et ben voilà. Alors, il n'est pas d'accord parce que j'en ai pas mis un au départ, mais voilà, j'en ai remis un ici et ça lui plaît pas. Hop, donc je me remets bien au départ pour qu'il y en ait un à zéro. C'est logique, hein, il faut qu'il y ait une keyframe de temps. Une clé de temps au début de votre vidéo, sinon vous débutez jamais. Et vous voyez, il a fait un petit ratio. Le petit trait rouge vous montre où c'est dans la barre de relecture. Donc, ce que je disais tout à l'heure, si par exemple je voulais aller à tata, on va aller à combien ça fait ça? 2,49. Donc, on va essayer d'aller à 10,49 à peu près. Voilà, 50, très bien. J'ai jusqu'à 10,50. Donc là, on patiente, comme je vous ai dit, longueur de temps. Patience et longueur de temps. Et vous voyez, il a positionné automatiquement à 59 secondes. Comme je vous disais, il a tenu compte du 8 fois. Et si je passe, hop, une image de temps, eh bien, on voit que toute cette zone-là sera contenue dans cette séquence-là. Donc là, j'ai un début et une fin qui vont durer 8 minutes in-game et qui vont être accélérées pour durer 1 minute dans ma séquence. Ça ira 8 fois plus vite, ce qui n'est pas si mal en soi. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez en placer plusieurs. Ce qui va vous permettre éventuellement de faire des accélérés, des ralentis, comme vous voulez. C'est-à-dire que là, j'ai fait un accéléré. Mais si par exemple, arrivé à cette période de temps, je voulais faire juste entre la 10e, 10 minutes 59 et puis on va pas aller trop loin, on va aller à 11 minutes à peu près 59 aussi. Voilà, entre ici et ici, je voulais du coup une autre image clé. Pam! Ben voilà, alors là par contre on voit que j'ai carrément fait un ralenti beaucoup trop long, puisque du coup là je vais faire un accéléré d'une minute et après ça va durer presque 12 minutes pour faire ce petit bout là. Donc ça c'est pas une bonne idée, pas une bonne idée du tout. Donc là ce que vous pouvez faire, c'est parce que j'ai mis un ratio beaucoup trop lent. Donc là vous voyez par exemple si j'avais fait 8 fois ça m'aurait mis là, il m'ajuste à chaque fois. Mais je peux aussi le déplacer à la main, c'est-à-dire que là je vais prendre 11 minutes 43 et je vais le ramener un petit ralenti. Allez, on va faire un ralenti vraiment très court. Voilà, juste ça. Ça va juste ralentir. C'est juste pour vous montrer, de toute façon. Voilà, donc ça, c'est les images clés de temps qui vont définir du coup la vitesse de votre séquence et les moments que vous reprenez dans votre barre de lecture, tout simplement. Parce que là, du coup, je suis presque... Ouais, la nuit va arriver jusque-là. Je peux aussi, d'ailleurs, dans ma barre de relecture, si je veux avoir juste mes 20 minutes, j'avais oublié de faire un petit insert pour avoir... Ce moment-là, je peux le faire a posteriori et je peux faire un insert pour retrouver mon petit marqueur d'événement. Voilà, là je sais qu'à cet endroit-là, il fait nuit et ça me convient bien. Donc là, par exemple, en 8 fois, ça me mettrait ici. Eh bien, je vais mettre un dernier marqueur de temps. Hop, voilà, je me déplace pour vous montrer. Donc là, accéléré 8 fois, ralenti 0,1 fois, non, moins maintenant, enfin un peu plus, et réaccélérer à 8 fois. Et là, j'aurai une journée entière Minecraft qui va se défiler sur seulement 3 minutes de séquence de vidéo. Voilà, c'est, je pense, assez clair à comprendre par rapport à comment se gèrent les indicateurs de temps. Et là, vous allez me dire, ok, c'est bien,
Mais maintenant, tu vas rester là? Tu vas pas bouger? Eh ben non, c'est là qu'interviennent les images de position. En gros, c'est des images de caméra, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, par exemple, je veux commencer ici, donc je vais mettre une image de caméra à cet endroit-là. D'ailleurs, je vais me remettre pour bien voir ce que je fais, hop, dans la barre de relecture au même endroit, parce que sinon je ne vois plus ce que voit réellement la caméra. Voilà, donc il y a bien la petite pointe du bateau. Et moi, l'idée, c'est que je voudrais, du coup, alors c'est ici, que quand je vais arriver à 10 minutes 44, 10 minutes 44, voilà, c'est chargé. Donc là, il faut que je regarde où ça peut m'emmener. Je voudrais faire un mouvement, en fait, comme je vous expliquais, au ras de l'eau, zoom, qui va ensuite m'emmener, disons, jusqu'ici. Et là, je veux ralentir. OK? Donc là, je suis au bon endroit. Et ma position, vous voyez, ben, en plus, ça tombe bien, c'est pile poil au bon endroit. Donc, je mets une deuxième position de caméra. Et là, je peux voir ce que ça rend. Déjà, pour voir un petit peu si je suis content ou pas. Donc, hop, je me mets au début, je fais lecture. Petit calcul de la part de notre ami. Et voilà, c'est parti. Et ben oui, je trouve que c'est même très très lent. Mais ça lui laisse le temps de charger le bateau. Voilà, et donc là, bon, vous avez un. Voilà, je vais interrompre, c'est un peu long. Mais vous avez un mouvement de caméra relativement lent. Donc, ça me plaît pas. Là, je me dis que je devrais déjà être au bateau, là, sur. Voilà, 1 minute pour aller jusqu'au bateau, ça va pas du tout. Donc, eh ben, je vais le bouger à la main. Je pense que voilà, en 20 secondes, être au bateau, ce serait bien. Voilà. Donc, on va se mettre en 20 secondes, on va aller jusqu'au bateau. On se remet là, on recalcule et on voit tout de suite ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer le travail de montage. Et pourquoi ça prend énormément de temps. Voilà, là on en va beaucoup plus vite. Alors, par contre, le bateau n'est pas encore affiché, donc ça c'est un peu gênant. Des fois, je fais des images de temps juste pour charger les chunks. Vous voyez là, il galère à charger bien. Voilà, et le bateau, il s'affiche que maintenant. Donc, il faudra voir si c'est suffisant ou pas. Des fois, on fait des essais, on reteste. Et paf. Et là, normalement, ça doit ralentir. Voilà, il continue à défiler, mais j'ai plus de position de caméra, donc la caméra s'est arrêtée. Elle ne va pas continuer son mouvement, puisque j'ai rien mis. Hop, ah bah ça tombe bien, voilà. Je vais vous montrer du coup, voilà, on voit le chemin de caméra. Et là on peut se dire, ouais, mais attends, là c'est une ligne droite ton truc. Et bah ouais, vous pouvez très bien, à mi-parcours de votre chemin de caméra, vous dire, j'aurais bien aimé quand même qu'il fasse un petit mouvement pour arriver par exemple ici. Voilà, tac, pour bien montrer le chemin. Donc là, à mi-parcours, ce sera à peu près là, puisque ça dure 20 secondes. Et là, je mets une autre caméra, pomme. Et donc là, normalement, si je prends un peu de hauteur, voilà, on va voir le mouvement de caméra qu'il nous fait. C'est pour ça que j'ai pas mis les shaders. C'est parce qu'avec les shaders, on voit pas le mouvement. Alors, il y a juste un problème, c'est que j'ai l'impression que la caméra regarde un tout petit peu trop vers le. Ouais, j'ai. On a aussi l'angle de vue. Et vous voyez, elle regarde un petit peu vers le. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Disons qu'elle est remontée. En fait, j'ai un mouvement que je ne voulais pas. J'étais plus assez près du ras de l'eau. Et le ras de l'eau va être bien, mais que arrivé en bas. Là-bas. Tout au bout. Mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, vous avez compris le principe, j'espère. Donc là, par exemple, mon ralenti, là, je pense qu'il va être un petit peu trop long aussi. On va le mettre à 40 secondes. Hop, pour vous montrer, ça suffira largement. Là, mon accéléré de fin à 1 minute. Voilà, une petite séquence d'une minute pour vous montrer, ça suffit. Donc là, on voit que celui-ci, ce sera là. Donc on voit un peu où ça m'emmène. Ok, il fera encore jour. Le soleil pile en face, donc on va essayer de mettre une position de caméra quand même, un petit peu comme ça, pour prendre un peu de hauteur. Je vais essayer un truc dans ce goût-là. Voilà, on essaye, hein. De toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc là, on se met au bon endroit et on met une position de caméra. Voilà, donc là, vous voyez, le mouvement que fera votre caméra est indiqué en rouge. Et pour terminer, du coup, on va plonger. On va plonger, donc là c'est pareil, on va se mettre à la bonne position qui est à la toute fin parce qu'il va faire nuit d'un seul coup, là ça va accélérer d'un seul coup. Hop, voilà, donc faut qu'on voit quand même ce que ça rend. Donc là on va plonger juste pour aller se mettre, faire deviner le Nautilus, voilà, juste ça. Et là on met une dernière position de caméra. Et là si je m'écarte, vous voyez, j'ai bien toutes mes positions de caméra qui ne sont pas forcément au-dessus d'un repère de temps. Et on fait son petit montage comme ça, voilà, et puis. Une fois qu'on a fait tout ça, on n'a plus qu'à faire lecture.
pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc là on a le mouvement d'abord d'approche. On va commencer à distinguer. Alors là, évidemment, il faut imaginer une musique. Alors l'idéal quand vous faites votre montage, c'est d'avoir une musique en tête parce que ça vous permet de bien rythmer les mouvements de votre caméra et les images clés. Alors là, c'est pas bon, par exemple. Là, j'ai trop plongé, donc du coup, il a plongé dans l'eau. C'est ouais, c'est dommage. Et donc là, le petit ralenti, comme je vous disais, pour bien montrer l'auberge. Donc ça va durer un tout petit moment. Donc on monte. Ça, ce mouvement-là est pas mal. Le mouvement sous l'eau était un peu en trop, mais bon. Il faudra que je mette un son, du coup, bubule. Et là, attention, ça va accélérer pour plonger. Ça aurait dû accélérer un peu plus quand même. J'aurais pu rapprocher. Mais du coup, là, on replonge. Et la nuit tombe. Vous voyez, le jour accélère, lui, par contre. Hein. Le mouvement de caméra est lent, mais le mouvement, par contre, de Minecraft, lui, le temps passe vite. Voilà. Et là, on arrive là. Ok, donc là une fois que vous avez fait ça, vous avez simulé votre montage, il est loin d'être parfait, là je l'ai fait un petit peu vite pour le tuto, mais vous avez une bonne idée de ce que ça peut donner. Donc on s'est fait un petit aperçu, eh bien on a presque fini, voilà, c'est pas si compliqué que ça Replaymode, hein. Le temps c'est surtout là, c'est passer du temps à bien organiser vos séquences. Alors petit conseil en passant, là je vous montre la technique, mais moi ce que je vous conseille c'est de pas faire ça, c'est de faire des mouvements de caméra simples, de faire plein de mini-séquences et d'utiliser après dans votre logiciel de montage de les mettre bout à bout avec des transitions, ce sera tout aussi bien. Si par exemple là on faisait une ligne droite ou même un plan fixe et puis on enchaîne avec un autre plan fixe, voilà, il y a moyen de faire des trucs très sympas, mais là ce sera pour un tuto plus avancé. On en reste là, moi je vous montre juste la technique. Donc vous êtes content, vous avez votre truc, vous avez tout compris, Replay Mode fonctionne, bah, déjà vous allez pouvoir hop, faire échappe. Aller dans vos options et puis déjà faire options graphiques, shaders, remettre les shaders de votre goût. Vous n'êtes pas obligé, hein, les shaders c'est facultatif, mais clairement pour une vidéo c'est quand même assez sympa d'avoir ces effets de ray tracing et compagnie. Donc ouais, on va vous inviter à les mettre, évidemment. Donc là vous faites terminer, les shaders sont revenus. Hop, là on va refaire T, du coup on va se remettre au début, on va se donner un petit aperçu quand même avec shaders pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, c'est une petite minute, ça devrait aller vite. Je ferai pause, hein. Si ce n'est pas joli, vous inquiétez pas. Donc un petit délai de traitement encore, en espérant que ça ne crache pas. Voilà, donc avec les shaders, déjà, c'est un petit peu plus agréable le temps de chargement. Donc par contre, toujours ces petits bugs là de graphisme. Donc l'idéal, hein, c'est d'avoir préchargé les chunks avant. Donc pour éviter ces petits effets-là, vous faites deux petits repères de temps qui servent juste à charger les chunks. Donc là, ouais, ce petit raté de je passe sous l'eau, ça c'est pas bon. Enfin, je garderai sans doute que ce bout-là, si je devais garder une vidéo. C'est ce petit passage, voilà, avec le soleil. Avec les shaders, c'est tout de suite beaucoup plus joli. Donc la fameuse auberge réalisée avec les Hall Shaddicts, hein, les gens qui ont fait rejoindre sur ma chaîne, vous pouvez les rejoindre. Petite pub au passage. Et là, paf, on replonge après ce mouvement en cloche. Et regardez le jour, lui, qui va accélérer pour laisser tomber la nuit. Voilà, ça, c'est une petite séquence que j'ai envie de garder et qui pourrait m'être utile avec la bonne musique. Une petite musique un petit peu sympathique, celtique ou japonisante, là. Voilà, avec ce banquet que nous avait préparé Célou. Voilà, et votre aperçu est bon. Ok, vous êtes content de vous. Vous voulez garder ça. Eh bien, c'est la petite disquette, là. Afficher le passage de la caméra. C'est pas l'afficher, en fait, c'est le rendre. C'est-à-dire le transformer en vidéo. Donc, vous cliquez là-dessus. Et là, vous avez plein de paramètres. Moi j'évite d'y toucher parce qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'y toucher, eh bien j'ai fait planter mon jeu. Donc là, ça va aller dans un dossier de votre dossier Minecraft. Enfin là, à côté de vos saves, à côté de vos ressources packs, de vos shaders packs, mods et compagnie. J'imagine que si vous en êtes à mettre Replay Mode, vous savez quand même où sont vos ressources packs. Et donc à côté de ces dossiers-là, vous en avez un qui s'appelle Replay Vidéo. Et c'est là qu'il va mettre le Hotpad File avec le nom par défaut qui est non pas le nom que vous aviez choisi en l'éditant, mais la date et l'heure. C'est pas très grave. Là, tout simplement, vous allez faire rendre. Là, vous lancez le truc, c'est relativement long. Ça peut faire planter aussi le jeu, donc je touche en général à pas grand-chose. Là, je vais éventuellement sur mon deuxième écran faire quelque chose, mais j'évite de toucher ici. Vous voyez, là, j'aime pas du tout quand il me fait le petit sablier là, c'est que c'est mal parti. Si ça y est, c'est parti. Là, c'est rassurant. Donc là, vous pouvez éventuellement aller surfer sur Internet pendant ce temps-là, et vous voyez que c'est relativement long, hein. Séquence d'une minute, vous en avez pour 5 minutes. Donc si vous faites plein de petites séquences de 30 secondes, ça va vous prendre un petit temps relativement conséquent. Vous pouvez évidemment
mettre en pause, annuler votre rendu, ça c'est pas un souci. Mais voilà, une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir récupérer votre vidéo, la mettre dans un logiciel de montage de votre choix, moi j'utilise Filmora, et du coup faire des petites séquences en musique bien sympathiques avec Replay Mode. J'espère donc que vous avez tout compris, je ne vais pas vous laisser passer les 4 minutes à supporter ça. Vous pouvez retrouver du coup des vidéos diverses et variées sur ma chaîne où j'utilise Replay Mode. Donc dès que vous voyez cinématiques ou des choses comme ça, j'en utilise. Et sur les chaînes des copains de gentlemen aussi, vous en trouverez. Donc j'espère en tout cas que ce tuto vous sera utile pour mieux prendre en main les bases de Replay Mode. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Portez-vous bien. Ciao ciao.